vais lentement, comme c'est un truc pour la lenteur, je prends mon temps pour. On n'est pas obligé d'aller vite non plus. Non, ça, là, c'est ça, ça on est pas je recommence. Hein. Pas que les rastas qui souffrent. Y'a pas que les chrétiens qui meurent. Y'a pas que les musulmans qui prient. Y'a pas que les Africains qui ont faim. Pas que les Ritains qui sont trop riches. Les politiciens qui trichent, pas que les ivrognes qui dorment en rue, y a pas que les fachos qui puent, oh non. Puis bon, bah, voilà, là il y a un solo et tout, bah là, mais les colocs, on s'entend que ça a vraiment été un groupe monument là, dans l'histoire musicale au Québec. Là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, comme d'une certaine manière, d'avoir été obligé de recommencer à zéro? Oh que oui! Là, d'avoir atteint le sommet et de recommencer sur un autre beat complètement différent. Mais c'est pas... C'est parce que quand tu es là-dedans, tu n'as pas l'impression que tu es au sommet de rien non plus. Là, comme je te dis, là, c'est un projet dans lequel tu vis 24 heures sur 24. Puis, on calcule pas ça, il y a rien de palpable, rien de calculable là-dedans à part. Est-ce qu'on s'en rend compte quand on en fait partie ou? Ben c'est sûr que ta vie change aussi quoi, tu sais, un succès comme t'as ces de là, là même c'était énorme, ça c'était une chanson que on a vendu à peu près 150 000 albums. Donc là, à peu près avec 6 millions de Québécois, ça veut dire qu'il y a un Québécois sur 30 qui a ton album, puis ta chanson, t'as ces voix de là, là. Quand tu te promènes en rue, là, tous les 50 mètres, tu l'entends, là. Ou bien il y a des gens qui la chantent au dépanneur, ou bien tu l'entends dans la radio, ou bien t'allumes la télé, puis il y a des gens qui en parlent, et puis en tout cas, c'est... Ça doit être grisant, quand même, un peu, là. Disons que c'est pas ma période, c'est pas la période de ma vie que j'ai préférée non plus quoi. Okay. Le côté mainstream, le côté showbiz, le côté obligation de la musique un peu qui disons que ça correspond moins à mon caractère aussi. J'ai l'impression de me sentir mieux à faire des spectacles dans des salles de 100, 200, 300 personnes. J'aime ce format de spectacle, j'aime cette proximité aussi, puis surtout j'ai pas le charisme qu'avait Dédé Fortin non plus. Lui était capable de prendre une foule de 50 000 personnes puis mettre ça en sa poche aussi quoi, tu sais, j'ai pas ce talent là non plus, donc ça. À la fin des colloques, c'est sûr qu'il y a eu un drop de qualité de vie, il y a eu un drop au niveau de la santé aussi, parce que bon, bah, tu passes pas à travers une étape comme ça, là. Tu passes pas indemne non plus, donc tu perds des plumes aussi. Donc ça fait, c'est sûr qu'il y a toute une période de démolition, de reconstruction, En tout cas, bien encore du temps. Là, tu vois, c'est on dirait que pour votre truc de la lenteur, le temps, c'est vraiment le maître mot. Là, c'est pas. En tout cas, je pense que c'est ça. Si on enlève le rapport à l'argent qu'on utilise tout le temps ici, je pense que le rapport au temps. À sa valeur aussi.